Si l'on veut compter la beauté de l'art, ce serait certainement la qualité de la prestation des candidats admis à la seconde phase du concours de mannequin photo Bunzinga qui bat son plein depuis le mois de juin et ce jusqu'en septembre. Lesquels candidats ont ébloui l'Assemblée lors de leurs différents passages? Dire que j'étais stressé, c'est trop exagéré, mais j'étais un peu en colère parce que j'étais dans l'embarras du choix, soit chanter, soit faire ce que vous appelez de la magie. C'est une sorte des calculs en fait. Et voilà, j'ai pu faire ce que je sais faire de mieux, les calculs. Bah, aujourd'hui, je suis content parce que le jury a été bluffé, comme il a su le dire tout à l'heure. Et j'aurais peut-être pu faire disparaître un petit billet qui était dans sa poche, mais dommage. Il n'a pas laissé l'opportunité puisque j'avais que 5 minutes. Donc voilà. Duchamp. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment. Combien de fois devrais-je te prouver que moi sans tes bras, je n'ai nulle part où aller. Tout autour de nous, sans... De la danse. L'âme. Mon lieu de naissance, source de mon mal-être. Amis et famille ont senti le mal de ma mal-être. L'entourage a fait de mon complexe se reflète involontaire. Ce complexe involontaire. De la coiffure et même du maquillage. Les candidats ont doublé d'efforts et de créativité afin d'épater le jury et obtenir ainsi une note au-dessus de la moyenne. Les membres du jury nous donnent leur avis de professionnels. J'ai remarqué que certains étaient crispés, certains étaient dans leur zone de confort et j'aurais aimé qu'ils se sentent plus à l'aise et qu'ils ressortent plus de leur talent. Je pense qu'il y a eu le track qui a pris le dessus. Et de ceux qui n'ont peut-être pas respecté les jours de coaching, ils ne se sont pas coachés en fait, ils n'ont pas été coachés. Et je pense que c'est le fait qu'ils ne sont pas venus en répétition, mais dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Dans l'ensemble, je félicite le travail de certains, parce que la majorité ont quand même atteint une note supérieure à 5 et plus. Donc déjà, mais je pense que ça ne suffit pas. C'est un concours. Le concours se prépare tous les jours. Et je pense que les candidats ne trouvent pas assez de temps pour travailler sur eux-mêmes. Lorsqu'on donne un talent, il faudrait vraiment tout donner parce que c'est ça qui va leur permettre de passer à l'autre étape de la compétition. 3 jours, c'est le temps qu'a duré ce second challenge de la phase 2, challenge artistique, où chaque candidat devait nous démontrer son talent artistique. J'aime toujours écrire depuis que j'étais toute petite. C'est pour ça que j'ai proposé de raconter l'histoire, pas la mienne, mais celle de ma grande sœur. Mais un jour, si j'ai l'occasion, je pourrai écrire mon propre histoire. Moi, j'ai vécu dans la dépression. Je sais ce que ça fait de voir quelqu'un vivre la même chose que moi.
pour nous, les mannequins, on dit souvent, on se salit les noms. On a l'habitude de s'exposer, de faire des trucs un peu pas trop bien. Mais ils oublient qu'il y a certaines personnes qui se cachent derrière le bureau, fait pire que nous. C'est pour ça que moi, je veux leur transmettre un message en leur disant que nous, le mannequin, on peut aussi défendre la cause des femmes. On peut faire aussi plus que ce que d'autres personnes n'ont pas la capacité de faire. Pour les parents et les soutiens des candidats, un seul souhait, que les leurs soient retenus pour la finale. En tout cas, jusqu'à la fin, nous sommes derrière elle, on l'encourage par des conseils, la danse, on est tout le temps ensemble avec elle. Et je crois bien que c'est elle en tout cas qui va remporter. Pour information, cette compétition prendra fin le 18 septembre lors d'une grande soirée au cours de laquelle il y aura de la danse, du chant, du mannequinat, des paillettes, des lumières, autrement dit du bonzinga. Bonne chance à tous les candidats. Le blindé, c'est le corps immobilier.